Bourgoin, au pied du mur, les ciels et Grenade n'ont déjà presque plus droit à l'erreur. La déculottée le week-end dernier face au Stade français a laissé des traces. Le groupe ne pouvait plus mal entamer sa saison. Maintenant, on l'a dans la tête, on a tous envie de se faire pardonner quelque chose. Donc peut-être que la venue de Montferrand arrive à point nommé pour justement voir un petit peu si on est capable de réagir. Pour le CSBJ, l'objectif est clair désormais, mettre à profit ce premier match à domicile demain face à Clermont pour repartir sur de bonnes bases. Dominés à Paris dans tous les compartiments du jeu, les Ciels et Grenat vont devoir très vite se ressaisir et surtout faire preuve d'un nouvel état d'esprit. On ne sait pas où ça va passer. Tout ce qu'on n'a pas mis à Paris au niveau de l'engagement, au niveau du combat, de plein de choses comme ça. Et puis après, je crois qu'il ne faudra pas hésiter à les jouer parce que... Si on est aussi faible dans les intentions de jeu qu'on a pu avoir à Paris, on passera pas. D'autant plus que Clermont viendra sans aucun doute chercher un résultat ici, au stade Pierre-Rajon. Le champion de France en titre défait lui aussi lors de la première journée du championnat pourra de plus compter sur le retour de ses internationaux. On s'attend à un match extrêmement difficile. Maintenant, devant notre public, on doit retrouver certaines valeurs qu'on a abandonnées à Charletti notamment et qui doivent nous permettre de fournir une autre prestation. Coup d'envoi du match demain à 18h45 au stade Pierre-Rajon.